Salut, on se trouve plus tôt que prévu parce que je vois sur mon trajet des gardes. Et quand il y a des gardes hors de la ville, généralement c'est qu'ils ont eu vent d'une attaque de bandits et qu'ils sont sur les lieux. Donc on va prendre part. En plus, on est les couleurs de la ville. Alors par contre, ils m'ont l'air. Ça arrive, allez. On va y aller doucement. C'est des grands malades, hein? Voilà, profitons-en. Y en a un autre qui m'attaque. Ah, là j'en ai un pour moi. Il est super bien équipé par rapport à moi qui n'ai qu'une épée. Bah, j'ai une bonne épée, mais. Ok. Il y a peut-être des pièces d'armure chouettes à se faire. J'ai sauvegardé avant au cas où quand même. Oh. J'espère les gardes ils vont pas mourir hein, parce que c'est des bandits bien équipés. Oh. On va peut-être avoir besoin de recommencer plusieurs fois. Le mieux c'est d'être deux contre un parce qu'il y en a un qui est face au bandit et l'autre qui peut le tuer par derrière. Voilà. Hop là. Hop, on sort l'épée. Pourquoi là ils viennent tous vers moi? Enfin bon sang. Allez, tapez-les les gardes. Moi je tourne, vous vous tapez. Voilà donc là. Ah non, lui. Non, non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais je veux pas le mien moi. Je veux partager celui de quelqu'un d'autre. Nom d'un chien. Qu'est-ce qui t'arrive? Allez, viens. Alors là, j'en ai deux pour moi. Vas-y, monsieur le garde. Il est encore temps d'abandonner. Mince. Ah, lui, on l'a bien abîmé, je pense. Va pas taper mon garde pendant ce temps-là. Ah, c'est le plus vieux. Bon sang. Non, ils ont pas tué le garde. On a les genoux qui tremblent. Attendez, il est où le garde? Affichtre, les gardes, ils ont disparu. Je vais te massacrer. Mes prières sont exaucées. Ah non. Je voulais passer mes nerfs sur quelqu'un. Tout ce que tu sais faire. Ah bah nous voilà avec les trois. Je crois que ça va. J'ai appelé mon cheval. Hop, on monte, on court. Ah, ils ont tué le garde. Ils me suivent encore, ouais, ils me suivent. Donne déjà. T'es un homme mort. C'est pour ça qu'ils ont disparu les gardes, c'est parce qu'ils sont morts. On va la jouer plus furtif. Ah non, il m'a pas vu. Ah si, il m'a carrément vu. Ah, mais non! Bon sang. Ah, je suis mort. Ouais, je l'ai senti.
Comment va-t-on sauver ces deux pauvres petits gardes? Ne serait-ce parce que je porte les couleurs de leur ville, je devrais les aider à tuer les bandits. Alors, peut-être qu'en jouant à l'arc. Alors, par contre, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est moi qui fais le moins peur ou quoi? C'est quoi cette manie de venir vers moi? Monsieur le garde, revenez. Bah, monsieur le garde! J'ai Stop. massacré. D'accord, c'est moi qui vole. Ah ouais, alors j'ai déjà du mal à en affronter un, alors deux. L'autre solution, ça reste encore la fuite, mais. C'est celle que j'aime le moins. Regardez-moi ces froussards. Ah, mais non, c'est un bandit ça. Qu'avons-nous là? À la bonne heure. Un peu de distraction. Ah, Tu ne m'échapperas là, pas. ça passe pas. Alors, monsieur le garde, il fuit à perpète. Il veut pas mourir, mais alors pourquoi les attaquer à deux contre plein? Et finalement fuir parce que. Non, je veux pas mourir. Vous comptiez pas sur moi pour arriver juste au bon moment quand même. Alors ça, je vois pas ses vêtements, mais. Ça sent le bandit. Je l'ai perdu de vue. Attendez, il est où? Il est pas par là, donc il est forcément de l'autre côté. J'espère qu'il n'a pas disparu. Ah bah. C'est pas possible, il y en a encore plus. Est-ce que mal pour le mal, c'est censé. Santé 0. Appliquer sur mon épée. On va prendre ça, si on n'a pas mieux. On va prendre notre dernier schnapps du sauveur. Je dois en avoir sur le cheval, je pense. Ah, j'ai encore plein de trucs volés. J'en ai sur le cheval. Alors là, c'est un règlement de compte entre bandits. Tu es au mauvais endroit, au mauvais moment. Ah non, il y a des Kouma en plus. Mali a des Kouma pour. Non mais. Non mais non mais non mais c'est quoi cette folie? Non mais. MDR, ils sont tous contre moi! Elle est. Ah non, c'est une blague là! Je crois que ça va me plaire. Bah bon sang, battez-vous entre vous, oui! Qu'est-ce qui t'arrive? Allez, viens! C'est quoi cette manie du tous focus sur lui? Oh, je vais bientôt mourir, mais. Tant pis, regardez, on va refaire. De là où j'ai sauvegardé, il y a encore les trois soldats Mastok, les trois brigands Mastok, plus d'autres brigands.
Voilà. Attends, prends ton arc. Et là, les brigands, ils se liguent tous contre moi. Vous êtes poursuivis par un gars. D'où le comment il est. Il est là aussi pour ma peau. Amène-toi. Ah, ils se battent entre eux. On peut essayer de monter sur les rochers. Oh lol, c'est le comment qui a pris le coup. Allez, viens. Viens par ici. C'est tout ce que t'as dans le ventre. Il y en a qui est mort. Faire. Bah vous avez du mal à m'affronter comme ça. On a les genoux qui tremblent. Ah lui il est monté haut. Amène-toi. Je crois que je l'ai manqué. Oh lol. Je te trouverai. C'est tout ce que t'as dans le ventre. Mettez-vous prêt. Du coup, c'est pas joué à Ah, vous avez du mal à m'affronter dans les falaises, hein. Je sais pas ce qu'il advient de ma flèche. Elle ricoche et elle tombe instantanément, je pense. Elle prend des coups. Allez, viens. J'aimerais tuer celui-là. Ils sont vraiment increvables, hein. Tu vas le payer cher. Oh mince, manqué. T'appelles ça un combat? Lui il a une cote de maille mastoc. C'est pas une cote de maille d'ailleurs. Ok, oh il range son épée. Je lui ai tiré dessus donc il la reprend. C'est tout ce que t'as dans le ventre. Qu'est-ce qui t'arrive? Allez viens. Ah, un de mort. Il me reste encore beaucoup de flèches. 28. Les meilleurs arrivent à la fin. On a les genoux qui... Je sais pas pourquoi il y en a qui se plantent et d'autres qui se plantent pas. C'est tout ce que tu sais faire. Je sais pas si j'ai les bonnes flèches d'ailleurs. Je te trouverai, sale chien. Ah mince, j'ai fait annuler. Tu pourras pas m'échapper.
Ouais, tu m'as trouvé, t'inquiète. Des flèches qui volent. Ah, là, ça a saigné. Oh, là aussi, je sais pas si jamais je tire dans la zone de la tête, malgré le casque. Ah ouais, j'ai gagné un niveau en agilité, je pense que c'est parce que je tire à la tête. C'est considéré comme la tête. Malheureusement, il a Je son crois casque que qui le ça protège. Aïe! Il m'a mis C'est une tout ce petite que t'as faim. dans le ventre? Comme on se retrouve, faut rien. Oui. Je n'ai pas posé de questions. T'appelles ça un combat? Arrête de faire oui. J'ai mis du poison sur ma lame, mais je lui ai pas donné Qu'est-ce de qui coup t'arrive? d'épée. Donc j'ai aucune chance de l'empoisonner. C'est un peu Non, dommage, mais Ada, bon. c'est simple. On n'a pas droit aux explosifs avant si on les trouve. Alors, ce bandit va-t-il mourir? Oh, j'ai réussi à tirer entre son Tu vas bras payer et son cher. torse. Viens donc. Regarde-moi qui sort en rampant de sa cachette. Oh, mais tu me vois, c'est juste que tu sais pas monter une montagne. Parce que tu es trop faible, je suis meilleur escaladeur que toi. Et aveuglé par la Laisse-moi rage, du tu dois temps. rester m'affronter. Ce qui est une erreur, hein. Tu devrais t'éloigner. Là, ça saigne, je pense Je que te son armure est trouverai trop ce abîmée. chien. Comment on se retrouve? Ah non, j'ai plus de flèches. J'y croyais pas, mais c'est arrivé. Faut pas qu'il me tue par contre. D'accord, t'as gagné. Oh, il se rend. Oh, mais non. Je voulais. Ah, Je oui. croyais que ça allait être trop simple à battre. Tu m'as tellement embêté, toi. Oh! Il y a un fort de... Il y a Oh, un fort de roche oh, si vous voulez dans le dispatcher payant. oh! Y a des trucs qui valent tellement. C'est le premier bandit auquel je mets autant de flèches, hein. Celui-là, par rapport à lui, à l'autre, il a des trucs qui valent rien. Alors, voyons si à partir de ma petite trousse d'armurier. Je peux réparer. On va réparer ce que je porte. Et on va peut-être. En fait, ouais, j'aurais dû changer d'abord. Alors, ça c'est moins bon, ça c'est moins bon. Ah, flûte. Cuirasse de noble. Ah, ouais, mais ça pèse lourd la cuirasse de noble. Je peux pas me permettre de porter ça contre les composites. Le reste c'est moins bien. Et il y avait un Kouman qui était mort aussi. Alors, prenons son arc. Il est peut-être bien. Il avait une épée. Ah, manque. Alors, on va prendre sa dague. Je sais pas si j'en ai une. Ah! J'ai trop de mal à récupérer son épée. Hop, récupérer. Il y avait deux épées? Il y a des flèches partout, tant pis pour les flèches. Il avait des flèches, notre ami le. C'était un archer, non? On ne sait pas. Oh, 11 flèches de chasse. Oui, il doit avoir des trucs qui valent. Non, le reste c'est beaucoup moins quand même. Arcoman, est-ce qu'il est mieux?
me dis qu'il est aussi bien. C'est vrai? Ok. C'est bizarre. Alors mon cheval ne peut rien porter de plus, tant pis. J'ai peur qu'il y ait des bandits là. J'ai découvert la croix mémorielle. Oh oh. Ouais, y en a un. On va pas l'affronter. On va pas l'affronter. Les corps sont plus là. Il reste juste un bandit vivant. Tant pis, tant pis. Je suis où? Je suis là. C'est pas là que je devais aller. J'ai croisé des bandits en suivant un chemin que je ne devais pas prendre. Ah, c'est le chef d'Écoumenant, vu son masque. Et c'est le seul à avoir survécu avec les trois que j'avais de mon côté. On dirait bien. Eh bah, sacré combat. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup tiré sur des cibles humaines en bas. Je me demande si des statistiques de flèches. En fait, il faudrait que je porte des flèches. Je pense qu'il faut que je porte des flèches pour voir les capacités de l'arc. Ouais, l'arc comment, il est beaucoup trop dur pour moi. Donc là, mes flèches, elles font 61 dégâts. Attendez. Ah oui, non, le symbole de poison est en haut. Je me disais, tiens, le symbole de poison est pas sur la bonne épée déjà. Bon, je sais pas s'il m'a servi le poison. L'autre bandit que j'ai un peu touché avec mon épée, il a fini par mourir. Donc j'imagine que ça a servi. Mais il était peut-être déjà très blessé. Bon. Bon, 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 mystère. On commence par un sacré combat. Et pour la suite, on va aller à Usis. Ce sera sûrement plus calme. On va voir. D'ailleurs, il faudrait pas que j'aille à Usis. Il faudrait que j'aille à un endroit où je peux vendre mes armures. C'est-à-dire près du fleuve, chez un des meuniers, ou alors chez un armurier. Par exemple, un ratet. Ouais, on peut faire ça. Sachant que j'ai beaucoup d'équipements volés à vendre. Pour ça qu'il faudrait que j'aille à un de mes coffres. Ce que je peux faire aussi, c'est acheter une chambre dans la première auberge. Soit pour une nuit, soit pour quelques nuits. Soit, ouais, soit pour... soit temporaire, soit pas. Et poser mon équipement dans un des coffres. Ça me simplifierait la tâche. Et après, quand je serai à Ratej, je prendrai mon équipement, je le revendrai. De façon à pouvoir acheter quelque chose de mieux. Des pièces d'armure qui me manquent. Sachant que je voulais beaucoup, beaucoup des bottes. J'ai pas eu des meilleures bottes dans l'équipement. Oh, ça c'est mieux. Éperon doré. Mettons-les, ça permet d'être meilleur cavalier. Je sais pas si le fait qu'il soit doré a un avantage quelconque. Ils valent très cher. Ah, ça permet d'avoir vice équivoque bruit. Charisme 20. Ah, je pense que c'est le charisme qui change.
J'ai regardé mes statistiques de crime. Je n'ai tué que... Non, de combat. Je n'ai tué que 4 adversaires en tir à la tête. Ce qui fait que j'ai doublé mon avancée en tuant les deux autres bandits l'épisode dernier. Il faudrait que je monte à beaucoup, à 50 exactement. Il faudrait. Là. Là, là, là. Il y a quelqu'un qui est susceptible de m'acheter des trucs. Que Dieu vous accompagne. Que Dieu m'accompagne, tout à fait. Parlons affaires, ensuite on parlera peut-être réparation. Tu es pas très riche, mais tu as des flèches et tu as des petites trousses d'armurier. Et ça, j'aime bien. Des petits nécessaires de forgeron. Tu as pas les meilleurs fers à chevaux, donc on va rien faire. On va te vendre une dague sur deux. Fortitude, le sabre hongrois. Paye pas très cher, hein, mais vous obtenez machin plus que ce que j'ai. C'est des flèches incisives, je crois. Dégâts de taille. C'est quoi la différence entre les dégâts de taille et les dégâts des stocks? Le nom laisse à suggérer que elles permettent de tuer des gens avec des armures. Je pense que c'est ça. On va en prendre autant qu'on... Vérifier panier. Marchander. Ah mais je peux pas marchander pour obtenir plus de J'aimerais sous. pouvoir marchander le prix. Suis-je Bien sûr, bête? pourquoi pas. Ouais, de toute façon, il a que 400, alors c'est 400 ou Allez, 400. j'accepte. Alors. Codex didacticiel. Combat, technique avancée, attaquer avec votre arme, étreinte, porter un coup de pied, il s'en suivra une empoignade. Avec virgule. Ah ouais, moi c'est pas virgule, mais c'est la même. La difficulté de l'étreinte est déterminée par la différence entre vos forces et vos aptitudes martiales. Je crois que c'était juste la force. D'accord. Et celle de vos adversaires, bien sûr. L'adversaire est brièvement désorienté. À vous d'en profiter. Tout à fait. On a le temps de mettre un coup d'épée juste après une étreinte ou un dominé. Blocage et coup de maître. Par contre, si vous appuyez sur la A à l'instant précis où l'adversaire initie sa frappe, vous exécutez une parade parfaite. Tout à fait. Vous pouvez faire une riposte, esquiver et... Alors ça, c'est les commandes. Ça c'est capitulation. On peut capituler devant les gardes. On peut se rendre. Après, il peut continuer le combat quand même. C'est pas dans les didacticiels la différence entre mes deux statistiques. Tant pis, on va prendre quoi? Alors, sauvage ou citoyen? Plus premier soin, c'est peut-être mieux. Je serais partant pour prendre. Je sais pas encore entre quoi choisir entre sauvage et citoyen, donc on va prendre ça. Et j'ai des compétences en crochetage. Voilà, on va éviter qu'il casse. Cheval de course, cheval de trait, on va prendre. On va prendre. Cheval de course. Et ça, on va prendre. Ah, meurtrier furtif.
Je savais pas que c'était une compétence à obtenir. Mon cheval ne pas transporter plus. Je suis encore un tout petit peu trop lourd. J'ai cru voir un bouton examiner le cheval. MDR, c'est juste mon cheval. What? Bah. C'est mon cheval. Pourquoi je peux pas courir? Non, c'est pas. Ah, je sais, il est trop lourd. Ah, j'ai du lard fumé dans mon sur mon cheval. J'avais faim, non? J'ai peut-être plus faim. Lard fumé qui est peu abîmé. J'ai beaucoup trop de nourriture qui va s'abîmer avant que j'aie le temps de la manger. Alors ici, d'ailleurs, ici. Oh. Ici en bas en fait. Ici en bas, j'ai... Enfin, il y a, je sais pas si j'ai un lit. On va aller voir. Ici on est rouge. C'est quoi les verts? Armure. C'est Sasso les verts. Je sais même pas si je suis allé à Sasso. Carte. C'est où Sasso? Non, c'est c'est par là Sasso je crois. Non, là c'est les Detsuko. J'ai aidé des gardes d'une ville que je ne connais pas encore. Mais tout va bien. Lui, qu'est-ce qu'il veut? Portez-vous bien. Vous n'auriez pas une tâche à me confier? Pas vraiment. À moins que vous ne soyez disposé à prendre quelques risques. Où voulez-vous en venir? Comme vous le voyez, je suis tanneur de peau. Je ne peux m'en procurer qu'auprès du maître chasseur, et il ne m'en fournit jamais assez. J'irai bien les chasser moi-même, mais il me surveille. Alors que vous... Je ne pense pas que le maître chasseur apprécierait que j'aille chasser sur son domaine. Certes. S'il vous prenait la main dans le sac. Écoutez, si vous m'apportez quelque chose, je saurai me montrer généreux. Et parfois, je dois satisfaire une commande particulière. Auquel cas, je vous paierai un supplément. Et si vous me prêtez main forte à plusieurs reprises, je pourrai même vous enseigner quelque chose d'utile. Eh ben, c'est parti. Vous n'avez pas besoin de peau? Ouais, le monastère m'a réclamé des peaux de lièvre. Ils en font des ceintures pour soigner le mal de dos. Je ne serais pas surpris que le vieil abbé en porte une aussi. Portez-vous bien. Ok, peau de lièvre. J'ai de la peau de lièvre? Non, pas sur moi. Je pense pas que j'en ai dans mes coffres. Franchement, je pense pas. Allons à l'auberge, poser tout ce que j'ai en trop. Y a pas de marchand ici, je crois. À part le tanneur. On est... Ah non, on n'est pas à Rovna, on est à Thalberg. Y a une arène de combat, y a une boutique. Ça, c'est le lieu du maître chasseur. Y a un gîte... Non, y a pas de boutique à proprement parler. Y en a à Usis, je crois. Mais je préfère poser mon équipement. Je vais faire ça. Je vais voir si j'ai de la peau de lièvre. Et pour le prochain épisode, j'irai bel et bien à Usis cette fois-ci. A bientôt!